Et salut à tous et salut à tous et bienvenue pour la suite de The Last of First Movie. Tout. On est toujours à la recherche d'Owen. On est à l'aquarium. On a trouvé son sac et un truc plein de sang. Et on a une arbalète. Juste recharger nos armes. Même si ça. Ça va l'autre recharger pendant. Voilà. Que. Okay. Même si ça, ce serait mieux de prendre un fusil à pompe. Voilà. Je vais y aller. Owen. Et te laisser, Owen. Hey Owen! Owen. Et te laisser Owen. À l'étage. Attends, on va juste vérifier parce que c'est ça. Évidemment. Ok. Juste pour être sûr. Ok, ok. Ok. Juste pour être sûr. Ok, ok. Des bières pong, ok. Sur le bateau. Vraiment cruel. Isaac, t'as chargé de me retrouver? Pas du tout. C'est quoi tout ça? Faut bien que je le démonte, si je veux le réparer. Je vois. T'en veux? Sans façon. C'est toi qui vois. Danny est mort. Danny est mort.
Je m'en doutais. Tu peux me dire ce qui s'est passé ? On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars et... J'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il n'a pas essayé de la prendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Qu'il est fatigué. Et qu'il est fatigué. Il avait l'air... D'être prêt. J'ai tué un paquet de Scar. Dany s'est mis à me gueuler dessus. Je lui ai dit que j'en avais marre. Qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors je l'attrape. Et... Au début, je savais pas lequel de nous deux était touché. Tu t'es juste défendu. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Je vais à Santa Barbara. Quoi, à cause d'une rumeur ? C'est plus qu'une rumeur. Non, les Lucioles sont pas là-bas. C'est fini. C'est une piste. Faut que j'en sache plus. Et pour Mel ? Elle est en sécurité ici. C'est ça. On en reparle demain quand t'auras des cuvées. Pas ça. Faire quoi ? Me traite pas comme un cinglé. Je sais que tu penses comme moi. Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. Désolé d'être adulte. Tu devrais essayer. Comment je fais ça, Abby ? Je devrais chercher ceux qui ont tué ma famille. Les massacrer. Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils pissent. Abby. C'est quand même pas très YouTube friendly, hein, tout ça.
l'a déjà vécu, c'est la mort de son père. Non? Alors c'est un cauchemar qu'elle fait? Trouvez qui a fait ça. Il est con, il est con. Il est con, il est con. F.E. que j'ai pas vu. C'est... Faut pas qu'elle s'échappe! Putain de merde.
Oh là 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 là, tant de gros mots. Pas grand chose. On a un établi, mais on va attendre un peu. La brûlée est là. Ok, on peut améliorer là. La brûlée. Vous êtes encore là? Faites pas un pas de plus. C'est moi. Désolé. Je dois bouger ton bras.
est-ce que tu l'emmènes? Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il lui reste une solution. Owen! 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 Hé, hey, Owen, debout! Je suis là! C'est Descar? J'ai besoin de matos pour la soigner. Alice, non! Baisse ton arc, c'est bon! Baisse ton arc! Tais-toi! Alice, baisse ton arc! Qu'est-ce qu'il fout, lui? Alice! Lève, baisse ton arc. Tout va bien. Abby, qui sont ces gosses? Ils m'ont sauvé la vie. Tu pourras l'examiner. Pas bouger, Alice. Elle s'appelle Ira. Qu'est-ce qui a fait ça? Un marteau. C'était pas moi. Faut l'allonger. Tu sens quelque chose? Yara. Non. Je voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Elle a le syndrome des loges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut amputer. Yara est un soldat. Elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. Qu'est-ce qu'il te faut? Dans l'idéal, une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. On a des couteaux, du feu. On coupe et on cautérise. L'infection la tuerait. Fais-moi une liste. J'irai à l'hôpital chercher ce qu'il faut. C'est un jour de route. Je m'en fous. C'est pas le problème, Abby. Elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures? L'hôpital des Wolves, c'est ça? À l'ouest? Comment? On a des passerelles. On les construit pour éviter les zones inondées et... vous évitez, vous. Elle peut tenir 2 heures? Peut-être, oui. Alors fais une liste. Attends, t'es sérieuse? Les SCAR utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. Des petites équipes, tu vois? C'est pas une blague. Lève. Puisse-t-elle te guider? Puisse-t-elle te protéger? Abby? Abby? Quoi? Attends. T'as piqué mes clés? Désolé. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Elle s'est pointée sans prévenir. Ok. Elle s'est pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Toi, peut-être. Laquelle? Fais pas de conneries, ok? Let's go. Tes amis sont des Wolves aussi? Ouais. On a de la chance que Mel ait été là. C'est un des meilleurs chirurgiens de Seattle. Mel...
comment il s'appelle, lui? Owen. Owen. Ami. Comment on fait pour atteindre les grands immeubles? On va peut-être aller là-bas. Le chemin, là, on dit vers le centre-ville. La route, elle part du bord des rapides. Conduis-nous là-bas et je prendrai le relais. Ok. Ces passerelles permettent vraiment de franchir les rapides? Ouais. Tous les rapides? Ouais, ouais. En quelques heures seulement. Je m'en pas. Ok. Tant de violence, tout dans les dialogues. Le machin là. Le voilà. C'est l'immeuble où on doit aller. Ok, je le vois. Ok. Qu'est-ce qui se passera si on récupère pas le matériel? Eh ben. Il faudra qu'elle essaie de l'opérer avec Scowen à sous la main. Ce serait. Ce serait pas l'idéal. Je pense qu'on va s'en sortir. Si on récupère le matos, on le coupe. Elle a beaucoup de chance. On n'est pas médecin. Il y a un rat, on tue le. Ok. Bonne nuit, madame. Tu savais que mon chien savait jouer aux cartes aussi. J'ai 13 ans, pas 8. T'as la taille d'un gamin de 8 ans. Et les gens te trouvent drôle d'habitude? Non. C'est quoi le syndrome des loups? C'est quand trop de pression s'accumule dans les muscles et ça circule plus correctement dans les tissus. J'ai grandi un peu d'habitude. Comme elle. Je sais sauter, merci. Allez, Jean-Michel. Donne tout ce. Cool. Merci beaucoup. Bien. Avec tous les médicaments que tu récupères, Abby, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à l'hosto? Oh, priorité. Voir si on peut grimper là-haut. T'es déjà allé sur ces passerelles, c'est vrai? Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup de Scar? Séraphite. J'en sais rien. Si on en croise, tu pourras gérer. Ouais, mais ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. Sauvez-moi par pitié, envoyez-moi n'importe qui en Wolf, en Seraphine, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Tout ce qu'il vous voudrait, je veux pas la fraîche, je descendrai des connards de la fédération. Sauvez-moi par pitié, envoyez-moi n'importe qui en Wolf, en Seraphine ou autre, je m'en fous. Je ferai tout ce qu'il vous voudrait, je me bats la fraîche, je descendrai des connards de la fédération, j'en ai rien à foutre. Je veux pas crever ici. Je vous en prie, aidez-moi. S'ils me trouvent, ils vont me tailler en pièces.
cette soirée. Tout mon tête, tout le ciel. Fais gaffe au bout de verre. Monsieur Kellet, c'était une balle. Qu'est-ce que vous faites, Abby? Qu'est-ce que vous faites? Il y a un monsieur qui est là qui s'est tiré une balle. Je vérifie des trucs. Hein. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Alors qu'on fasse quelques détours. Les joueurs Warhammer. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfui? 2 jours. Et vous comptiez aller où? Je sais pas. On voulait juste... Une PS3. Partir. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous? Je te l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. C'est la règle. J'ai désobéi. Pourquoi tu l'as fait, alors? Je sais pas. Ok, chère voisine. C'est ton petit côté punk. C'est ça, mais tu on habite de 300. J'ai l'impression que tu te fiches pas mal des règles. Faut pas avoir peur de nous, voilà. J'imagine. Ok, chère voisine, nous, c'est Sam et James. On habite au 302. On savait pas qu'il restait des gens ici. Faut pas avoir peur de nous. Voici une petite quelque chose fraîchement sortie du four, Sam. Merci pour le pain de maïs. Ma mère m'a dit de donner cette bouteille de vodka. J'espère qu'elle est bonne. Pourquoi vous n'êtes pas parti en car avec les autres? Moi, c'est Julia. Ma mère s'appelle Heidi. Julia. Où t'as trouvé cette vodka? C'est génial. On est resté parce qu'on a entendu des trucs horribles sur les refuges. C'est la loi de la jungle. Les gens se volent et s'entretuent. On a préféré tenter notre chance ici. N'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin de quoi que ce soit, ta mère et toi. Merci encore. Je regarderai si je trouve de la farine pour pain de maïs que je sortirai. Ça a changé ma vie. C'est gentil de proposer d'aider ma mère. Ça ne serait pas un refus. Je vais sortir chercher des provisions. Et je reviens ce soir. Vous n'aurez qu'à frapper, Julia. L'escar en vue de James cuisinier sur le toit et l'ont abattu. J'en ai tué 2, mais le troisième a fugué. Je laisse notre porte ouverte à quelques réserves et quelques réserves dans notre coffre. Le code, c'est le numéro d'appartement, puis le vôtre. Prenez tout et sauvez-vous, Sam. Je ne peux pas abandonner ma mère. Je vais barricader notre porte et croiser les doigts. Vos affaires sont toujours là dans le coffre. Je n'ai pas tiré s'ils arrivent. Je ne sais pas tirer s'ils arrivent. On lèvera simplement les mains, Julia. Qu'est-ce que c'est? 302. C'est qui parle 302 et le code? Attends, nettoyer
302. Ok, on n'en sait rien. Nettoyer. Ah, il y a des infectés là qui disent nettoyer. On n'en sait rien. Ok, il y a Formaï qui s'est mis à jour, je sais pas pourquoi. Il faudrait déjà savoir dans quel appartement on est. Ok, il y a Formaï qui s'est mis à jour, je sais pas pourquoi, mais. Il y a une couille en le pâté. Hein. Il faudrait déjà savoir dans quel appartement on est en fait. On sait qu'il y a le 302. Il y a une couille dans le pâté. Hein. On nous dit qu'il y a un infecté qui traîne. Je sais pas si c'est dans cet appartement ou dans l'immeuble. Le mec était à fond sur Warhammer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Lire, chère voisine, on habite au 302. On va essayer. Je crois pas. Mais bon. Ça fait 12. Non, 13. Non. Retour. Ça serait 0. C'est pas ça. Hein. Ça fait 23. 0. C'est pas ça, hein? Bon, je vais vérifier le code. Depuis longtemps? De mon arc? Depuis toujours. T'es plutôt doué. Oh, Mariara. Pourquoi il est là, ça? 303. 304. On a Kenny. Et là, on a Equimike. Comment il s'appelle le mec? Il s'appelle Sam. Parce qu'il y a un nom de famille qui est. Ils te le disent pas. Hein. Ma mère s'appelle Heidi. Il s'appelle Sam. Parce qu'il y a un nom de famille qui disent.
ça sera un J. Ah, c'est 304 alors. 302, 304. Identifié comme tu arme improvisée, tactique terroriste, manuel pour PUC. Du coup, j'ai le succès de avoir voilà, on est bien. Le manuel d'entraînement. Documentaliste. J'ai le succès de avoir sûrement tout. Les manuels d'entraînement. C'est facile là. J'ai trouvé toutes les armes. Peut-être qu'il y a encore des armes que je n'ai point trouvées. Les trophées cachés. Trouver l'étrange artefact. Trouver la bague écrasée. Une histoire, bon, ça, ça doit pas être trop dur. Ça, il faut jouer au jeu plusieurs fois, à mon avis, pour avoir toutes les améliorations, améliorer toutes les armes aussi. Trouver les artefacts, c'est entrée de journal. Ouais. Trouver toutes les cartes sûrement aussi. Trouver tous les établis. Ah, regarde ça, c'est encore possible. Ah, pardon, j'ai pas regardé. Ouais, je pas la meilleure. Les nouveaux trucs, ça fait quoi? Confection rapide, ouais, c'est de... Par propos des confections. Eh ben, on va se quitter là. Tchou tchou.